Je fais entrer tout le monde. Le troisième point, c'est le gain de temps et la sécurité. En fait, le QR code et le lien, ils existent vraiment pour vous faciliter la vie. Les évaluations, en fait, elles sont archivées automatiquement donc, sur votre session, dans votre espace formateur, et vous pouvez les télécharger immédiatement en PDF, les utiliser pour Calliope, les utiliser pour votre propre information, etc., etc. Vous pouvez même les utiliser pour Google ou quoi que ce soit. Voilà. Deux options emploi. Donc, soit vous présentez le QR code à vos stagiaires pour qu'ils le flashent directement avec leur smartphone. La première option, ça va être pour le présentiel. Vous avez juste à leur montrer votre écran d'ordinateur et avec leur téléphone, ils utilisent par exemple leur appareil photo où ils vont flasher directement avec leur téléphone. Avec les iPhones, par exemple, je sais que ça suggère immédiatement la page qui envoie sur le formulaire. Autre option, si effectivement ils n'ont pas cette suggestion automatique, il y a des applications comme QR Code Scanner. J'en ai téléchargé une, elle marche parfaitement bien. Ça fonctionne exactement pareil. Voilà. Sinon, en distanciel, vous pouvez partager votre écran comme je vais le faire tout à l'heure. Je suppose que nombre d'entre vous l'ont déjà fait. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Et pareil, ils utilisent leur smartphone pour flasher le QR code. L'autre option, c'est le lien du formulaire donc, que vous avez à disposition, que vous pouvez communiquer via le canal que vous souhaitez, WhatsApp, mail, Teams, Zoom, etc. Vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez à partir de ce moment-là. Dernier point, point qui revient souvent, si vous êtes certifié Calliope, c'est par rapport au renforcement de votre critère 1 et de votre critère 7. Donc, la mise en avant de votre profil par TrainAdvisor, plus l'hébergement et l'animation de vos évaluations à chaud, c'est renforçant sur les critères Calliope 1 et 7. Donc, ce n'est pas parce que vous avez déjà donné un exemple de formulaire à Calliope que vous ne pouvez pas utiliser celui-là. Calliope est toujours friand d'amélioration dans la démarche. Donc ça, c'est pour le premier point. Maintenant, on va passer à la petite présentation en visio, en partage d'écran de l'utilisation du QR code et du lien. Alors, bonjour, je n'ai pas compris le concept de vignette par thématique. Je vais vous montrer ça tout de suite, justement. Je vais vous emmener sur le site et on va y aller tous ensemble. Alors, oui, d'ailleurs, petit point important, toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à les noter. Vous pourrez me les poser à la fin et je répondrai à toutes les questions à ce moment-là. Alors, hop, je partage mon écran. Voilà. Alors, toc. Du coup, on va faire le petit chemin habituel des entreprises. On va essayer de faire tout le circuit. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que c'est que l'expérience utilisateur. Du coup, pour répondre à la personne qui a posé la question, les vignettes par thématique, c'est ici, les principaux sujets de formation. On est sur le carrousel. Voilà. C'est ces vignettes ici où sont regroupées les différentes formations par thématique. Donc la barre de recherche, les vignettes thématiques et les formations avec le plus d'évaluations, comme je vous ai dit. Par exemple, je vais aller sur la bureautique. Je suis client, je suis une entreprise, je cherche une formation en bureautique. Et sur les tableaux croisés dynamique Excel, c'est parfait. Celle que je cherchais, c'est la première. Elle a 25 expériences. Ça me donne un élément de confiance pour pouvoir réserver, pour pouvoir prendre la décision de réserver avec vous. Donc, je vais aller voir le profil du formateur ou de la formatrice en l'occurrence. Donc, je vais voir son petit descriptif, etc. Je vais voir qu'elle a plusieurs formations. C'est celle-ci qui m'intéresse. Et là, je vois qu'il y a des avis. Hop, voilà. Donc, c'est vraiment ici, en fait, que les entreprises peuvent voir les avis des formateurs. Bon, celle-ci, il n'y a pas d'appréciation avec des commentaires généraux, mais il peut y arriver qu'il y en ait avec les stagiaires. Donc, c'est ici qu'ils apparaissent. Ensuite, je vais aller sur En savoir plus. Voilà, blablabla. Vous connaissez tout ça.
Et là, je suis intéressé pour prendre une formation sur la date d'aujourd'hui. Donc, je vais faire le 11 juin. Hop. Donc là, c'est la petite blague. Toc. Bon, du coup, ça ne marche pas. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait des petits imprévus. Ce n'est pas bien grave. Dans tous les cas, ça m'emmène sur le formulaire pour contacter le formateur. Voilà, il faut les entreprises s'inscrivent systématiquement pour contacter. Et admettons que l'on décide d'ouvrir une formation ensemble. Ce que l'on va faire, du coup, c'est ouvrir une session de formation. Voilà. Donc, hop, je me connecte avec mon compte pour éviter d'aller utiliser celui de la formatrice. Donc, je vais ouvrir une session. Hop, on va dans Mes sessions et avis, l'onglet Mes sessions et avis. On fait Créer une nouvelle session. Type de session en intra, parce que je suis une entreprise avec, par exemple, 7 stagiaires et je veux réserver la formation pour moi. Ajouter des dates, je vais cliquer sur Nouvelle date. Je vais mettre la date d'aujourd'hui toute la journée. Dans Référence de session, c'est le nom de votre session, je vais mettre Test. Et où se déroule la formation, je vais mettre en visio. Ajouter un participant, pour l'instant, ce n'est pas important. Vous pourrez le faire plus tard. Je crée la session. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Du coup, on retrouve le QR code dont je vous ai parlé. Vous pouvez essayer de le flasher avec votre appareil photo. Comme ça va vous emmener sur le formulaire. On va faire un test tous ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, vous allez ajouter vos évaluations avec donc soit le lien que je vais vous envoyer, hop, dans le chat. Hop. Alors, voilà. Prie de m'excuser, ça rame un peu. Hop. Donc, si vous souhaitez utiliser le QR code, vous pouvez le faire maintenant avec votre smartphone pour vérifier si ça fonctionne. Sinon, cliquez sur le lien, ça fonctionne aussi. Moi, je vais le faire à vous avec mon smartphone. Je flash le QR code. Ça m'emmène sur le formulaire d'évaluation. Donc, comme vous voyez ici, sur mon écran. Et à partir de ce moment-là, on peut donc ajouter cette évaluation en ligne. On va le faire ensemble en partage d'écran. Donc, hop, voilà. Tout en sachant que si je mets mon nom et mon prénom, le nom, ce sera juste l'initiale du nom qui va être affichée. Première étape, le contenu. Donc, tout un tas de questions qui sont en cohérence avec les demandes de Calliope. Est-ce que le contenu de la formation était en phase avec les objectifs? C'est une note de 1 à 10, 10 étant la meilleure note. Est-ce que les enseignements apportés sont applicables? Oui. Est-ce que l'équilibre entre exposé et pratique, etc., etc. Est-ce que la longueur, les documents et les supports sont pertinents? Oui. Toutes les questions sont obligatoires. Ensuite, l'animation. Donc, est-ce que le formateur connaît bien son sujet? Est-ce qu'il a impliqué la salle? Est-ce qu'il s'est montré disponible? Est-ce qu'il a su faire vivre son sujet? Donc ça, c'est les questions en rapport avec le formateur. Ensuite, ça, c'est les modalités pratiques. Est-ce qu'on a été assez informé? Est-ce que le cadre était adapté? Est-ce qu'il y avait du café? Est-ce que le Wi-Fi était bon? Est-ce que la visio ne sautait pas? Et est-ce que l'organisation était maîtrisée? Voilà. Ensuite, est-ce que je recommande cette formation? Oui. Ensuite, j'ai particulièrement apprécié. Vous pouvez mettre, enfin du coup, les stagiaires mettre ce qu'ils ont particulièrement apprécié. Je recommanderais d'améliorer ce qui suit. C'est uniquement pour votre information. Ce n'est pas ce qui apparaît sur les évaluations sur TrainAdvisor. Et dans les commentaires généraux, s'il a envie de vous dire merci, ça apparaîtra aussi. Donc, je vais envoyer ce formulaire d'évaluation. Je vais retourner sur TrainAdvisor. Ensuite, je vais revenir sur mes sessions. Et là, je vais retrouver
les évaluations que j'ai chargées. Je vois que quelqu'un l'a fait aussi. C'est parfait. Hop, donc là, vous voyez, on a la date, le nom de la personne, la moyenne, vous téléchargez l'évaluation et là, vous retrouvez systématiquement toutes les réponses qui sont dans le formulaire d'évaluation. Voilà. Donc ça, vous pouvez le télécharger, vous pouvez les archiver, vous les retrouvez dans vos sessions. C'est complètement accessible. Voilà. Donc ces notes-là, on en fait une moyenne et c'est ça qui va vous donner donc cette note que vous voyez sur TrainAdvisor, par exemple là de 9,9 sur 10, etc., etc. Comme je vous ai dit, voilà, c'est peu importe la note, à moins qu'elle soit vraiment catastrophique, mais ce qui est vraiment important, c'est le nombre d'évaluations. Voilà, c'est ça vraiment qui vous met en avant, c'est ça qui donne confiance aux entreprises. Voilà pour la petite présentation. Je vais arrêter mon partage d'écran. Hop. Et je vais répondre à vos questions. Oui, tout d'abord, je me permets de vous faire ce petit point juste avant. Donc, n'hésitez pas à me recommander des formateurs. Si vous avez des formateurs dans votre entourage, des formateurs ou des formatrices, n'hésitez pas à me les recommander, à leur parler de TrainAdvisor, à leur donner mon contact. Je me ferai un plaisir de leur présenter TrainAdvisor. Et aussi, n'oubliez pas d'aller liker, d'aller suivre notre page LinkedIn de TrainAdvisor, ainsi que de vous inscrire à la newsletter. Voilà, je vous enverrai tous un petit mail pour voilà de récapitulatif, etc. Et vous pourrez rejoindre l'actu des trainers. Voilà, maintenant je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, donc je vais reprendre les différentes questions du chat. Mon client, alors Leslie Blondeau, alors bonjour. Mon client est un OF, je n'ai pas accès aux évaluations internes qu'il donne à ses bénéficiaires. Du coup, comment puis-je entrer des évaluations que je n'ai pas? Alors, je ne sais pas si Leslie Blondeau, oui, bonjour, vous avez activé votre micro? Oui, effectivement, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me préciser du coup votre demande? Oui, j'ai eu quatre ou cinq animations ces dernières semaines avec quatre ou cinq OF différents. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que certes, ils évaluent la formation, mais en interne. Et moi, je ne suis pas mise dans la boucle. Et quand je demande pour quelles raisons je ne suis pas mise dans la boucle, ils me parlent de la protection des données et ils me parlent du fait que leur client n'est pas à avoir de lien direct avec moi. Et donc, moi, je n'ai aucun retour des évaluations qui sont faites. Donc, bah, comment je fais pour rentrer des évaluations auxquelles moi-même je n'ai pas accès, en fait? D'accord. Alors, effectivement, pour ce qui est de la RGPD là-dessus, bon, ils disent un petit peu ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si c'est forcément vrai ou pas. Cela étant, vous pouvez quand même demander à vos stagiaires de flasher le QR code ou de cliquer sur le lien. Je ne sais pas si, si votre OF est forcément au courant. Mais si vous êtes avec eux en physique ou en visio, peut-être que vous pouvez leur demander. Je sais pas comment. Je peux le faire, mais là, par exemple, j'ai demandé à mes stagiaires de me mettre une recommandation sur LinkedIn. Oui. J'ai reçu immédiatement un appel de l'OF me disant que je ne suis qu'un intermédiaire et que je n'ai pas à demander directement aux stagiaires pour des raisons de confidentialité et de RGPD. Donc, la D'accord. boucle est bouclée, quoi. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à rencontrer ce problème, mais je l'ai rencontré plusieurs fois ces dernières semaines, quoi. J'allais intervenir. Moi, j'ai pas du tout. Je pense que peut-être que c'est votre OF qui agit comme ça, parce que je sais que je travaille avec plusieurs OF aussi, et tous me donnent mes évaluations, en fait. D'accord. Parfois, ils oublient, donc à la demande, et comme c'est anonyme, ou en tout cas, moi, je peux leur demander d'être anonyme, hein, ils ne le font pas toujours, mais moi, je le demande. D'accord. Mais normalement, exactement, je leur demande éventuellement que ce soit anonyme. D'accord. Et que vous n'ayez que les comptes rendus, enfin finalement le questionnaire sans les noms des participants. Et dans ce cas-là, le questionnaire redevient anonyme puisqu'il n'y a aucune indication personnelle, si on parle de la RGPD,
n'y a aucune information personnelle dans un formulaire, si vous voulez. Donc, et après, à eux, si la personne a quand même signé, à eux d'enlever, des fois les gens signent un peu en dernière, voilà, à eux d'enlever les noms, etc. Il n'y a aucune donnée personnelle, il n'y a aucune adresse, il n'y a aucune façon de retrouver quelqu'un. Si le nom et le prénom sont enlevés, voire l'entreprise, si vous passez par plusieurs organismes de formation, à ce moment-là, ils enlèvent le nom de l'entreprise, ils enlèvent les noms et prénoms du participant. Et au niveau de la RGPD, il n'y a aucune façon de retrouver qui que ce soit, même en croisant les données, quoi. D'accord. Bah, c'est peut-être une méconnaissance de ma part qui fait que je n'ai pas été assez précise dans la manière dont j'ai communiqué avec eux. J'ai des clients qui verrouillent énormément et ça m'arrive régulièrement. Alors après, il y a peut-être aussi une méconnaissance de ma part. On est d'accord que là, ce sont des évaluations train advisor. Ça n'empêche pas mon client de faire ses évaluations internes. Mais là, on est d'accord que si je crée ma session dans train advisor, alors que mon client n'est pas une entreprise Train Advisor, je peux quand même rentrer mes évaluations Train Advisor. On est d'accord ou pas? Ce que vous pouvez faire, ouais, moi, ce que je fais quand j'ai des évaluations différentes, si je sais que le client, je ne sais pas, il risque de ne pas me les donner parce qu'il va oublier ou je ne sais rien, je le précise dans ma convention, enfin, dans mon contrat avec lui, je le précise que des évaluations HO ont lieu. Et dans ce cas, il sait que je vais en mettre en place. Et du coup, il y a moins de surprises. J'ai le droit de lui dire que moi aussi, j'ai des évaluations internes à moi. J'ai le droit de lui dire ça. D'accord. Je le mets systématiquement. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je le mets systématiquement. S'il en fait, ça m'arrange et je n'ai pas à en faire. Je gagne du temps. Mais au moins, s'il n'en fait pas, ben, automatiquement, c'est envoyé. OK, merci beaucoup. Effectivement, merci Cécile d'avoir pointé cela. Les évaluations peuvent être anonymes. Donc, effectivement, si vous le dites à votre OF, déjà, ça peut rentrer en compte. Et puis, l'autre point que vous avez soulevé, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil d'évaluation qu'avec vos clients TrainAdvisor. C'est aussi avec vos propres clients. Nous, en fait, on vous met à disposition cet outil pour que vous puissiez commencer à vous rendre du coup crédible, à vous autonomiser un petit peu, du coup, même à pour certains, vous départir un peu de certains OF, de vous rendre moins dépendant avec du coup cet élément de confiance. Vous pouvez l'utiliser avec vos propres clients. Ça peut rester anonyme. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les stagiaires ne sont pas obligés d'ajouter leur nom et leur prénom. Et dans tous les cas, il n'y a que le prénom et l'initiale du nom de famille qui paraît. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser avec vos propres clients, c'est gratuit et c'est vraiment très très simple d'utilisation. Voilà pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. D'autres questions dans le chat. Oui. Vincent, est-ce que vous pourriez répéter le chemin pour envoyer un QR code à un apprenant? Oui, bien sûr. J'allais essayer, je n'ai pas réussi à récupérer. Donc, le chemin, c'est quoi? On clique d'abord sur une date? Alors, est-ce que vous voulez que je vous repartage mon écran? Ce sera peut-être plus simple. Oui. OK, alors on va faire ça. Hop. Voilà. Alors, du coup, en fait, premièrement, je vous ai fait la petite démonstration de l'expérience utilisateur quand on est client. Voilà. Donc, c'est aller sur la formation, etc., etc. On va sur une date qui nous intéresse. Entre-temps, moi, client, et vous, formateur, on définit une date qui nous convient à tous les deux. Et là, en fait, dans mes sessions et avis, quand je suis sur mon espace formateur, donc, vous allez sur votre espace formateur, on retrouve ce que je vous avais montré tous quand on s'est vu au téléphone, donc le général. Ensuite, vous retrouvez mes sessions et avis, l'onglet ici. Ensuite, voilà, donc là, on voit que notre développeur a ajouté quelques petits détails, donc c'est très bien. Ça va simplifier les choses. Et donc, on fait créer une nouvelle session. Hop, en intra, on ajoute une date, par exemple, la date de lundi 14, référence de session test 2, visio, hop, créer la session. Est-ce que c'est bon pour vous, là, pour l'instant? Parce que là, c'est a posteriori, mais est-ce qu'on peut évaluer,
une formation qui a déjà été réalisée. C'est-à-dire... Oui, alors bien sûr, vous pouvez le faire. Donc vous me les envoyez, vous me les envoyez par PDF. Donc ça, est-ce que pour vous c'est bon là le QR code ou pas? En fait, quand on est là, oui, c'est bon. C'est bon. Quand on est là, il faut vraiment flasher ici. Il faut flasher ici ou hop, on copie le lien, on envoie dans le chat et c'est réglé. Ok, donc on passe par mes sessions et avis. Hein, c'est exactement, ça c'est ça. Quand on est dans son espace formateur, voilà, on va par mes sessions et avis, on va sur la session qui nous intéresse, voilà, pour que les évaluations concernées, du jour concerné, soient bien dans la bonne session. On va dessus, on clique sur la petite flèche ou sur le nom et on retrouve le QR code ici et le lien ici. Ensuite, les avis, ils vont se charger en bas de cette page, en bas de la session concernée. Et vous pourrez les télécharger. Comme... Alors, bonjour Stéphane. Comment intégrer l'évaluation Train Advisor dans les avis clients Google My Business, s'il vous plaît? Alors, est-ce que je comprends bien la question? Autrement, on peut faire de vive voix. Bonjour. Effectivement. voilà, c'est... Bah, tout simplement parce que là, nos clients sur Trainer Advisor donnent leur avis hein, sur la qualité de nos formations. Par ailleurs aussi, par rapport au moteur de recherche Google et les avis qu'on peut avoir sur nos actions, sur nos formations, on demande certaines fois à nos clients s'ils veulent mettre un avis dessus, ce qui permet aussi à d'autres personnes qui peuvent nous trouver sur Google de regarder les avis. Donc, ma question est tout simplement, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre l'évaluation TrainAdvisor que notre client a rempli, est-ce qu'on peut l'intégrer dans les évaluations Google My de Google, si vous préférez, sans qu'il n'ait deux liens à remplir, quoi, deux évaluations. D'accord. Oui, je vois. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, c'est simplement pour dire, bah voilà, on envoie un lien d'évaluation à notre client, un seul lien, et derrière, bah, son avis va sur TrainAdvisor, son avis va sur Google My Business aussi. D'accord. Alors, effectivement, point intéressant. À l'heure actuelle, j'ai le regret de vous dire que nous ne sommes pas en partenariat avec Google. peut-être qu'à l'avenir. Effectivement, à l'heure actuelle, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Il faudrait en parler avec les développeurs. Peut-être que c'est possible. Je ne veux pas vous raconter de bêtises. Hein. Je ne veux pas vous dire que c'est possible ou quoi. Enfin, qu'on peut le faire. Peut-être. Je vais en parler aux développeurs. On va voir ce qu'il peut faire. À l'heure actuelle, en tout cas, moi, la seule certitude que je peux vous donner, c'est faut faire deux évaluations. Ça, c'est pour la première chose. Si jamais ça bouge de ce côté-là, bien évidemment, on communiquera. Voilà. L'idée, c'est que, en fait, on essaye de développer des choses au fur et à mesure pour rendre service. Il faut qu'il y ait un besoin, etc. Donc, comme vous l'exprimez, c'est très bien. Si on voit que voilà, ce sont des demandes récurrentes et que c'est possible de le faire dans une certaine mesure, on le fera. Si ça simplifie les choses pour tout le monde, on le fera, c'est certain. Après, dans combien de temps, ça c'est une autre question. D'accord, merci. Pour l'instant, en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est il faut en faire deux. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Il semblerait que non. Eh bien, écoutez, moi, je reste à votre disposition et à votre écoute. Si jamais vous avez besoin d'autres précisions, le replay de cette présentation sera disponible sur nos différents réseaux. Vous serez tenu au courant. En tout cas, je vous remercie vivement d'avoir participé à ce premier webinaire. Comme je vous le disais, le premier, j'espère, d'une longue série. On essaiera d'avoir un rythme assez fréquent, assez soutenu, peut-être toutes les deux semaines. Et voilà, sur différentes thématiques. On a déjà peut-être la deuxième thématique du prochain webinaire. On aimerait bien faire sur
les titres. Donc, sur comment bien titrer, comment donner des titres intéressants pour attirer vos clients avec voilà, un petit pourcentage d'augmentation de chiffre d'affaires. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc voilà, on vous tiendra au courant, on vous enverra des invitations à ce moment-là. Je vous remercie encore une fois très vivement. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je reste à votre disposition et puis je vous solliciterai ultérieurement pour le prochain webinaire. Je vous souhaite une excellente matinée, une excellente journée et un bon week-end à venir. À bientôt tout le monde. Au revoir. Merci Vincent. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.